Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors que Lupino sortait Zenobia du farfaret, Renardo se prépara au combat à venir. Je m'excuse, j'ai pris ta veste, c'était assez juste cet idiot, elle avait ton odeur. Quoi, dit-il embarrassé, alors pourquoi n'avoir pas écrit? Pourquoi ne pas avoir utilisé la télépathie? T'es pas le moment pauvre pour la nostalgie romantique. Allons-y, hurla Lupino. Et Renardo se lança sur le sentier qui descendait la base secrète. Quand Renardo se rendait à la boutique chinoise pour une raison qu'il ignorait, le propriétaire était toujours vivant. Aiguiser la pointe au souple, check. Quelle autre capacité Excellent. Doit avoir présenté check. Une épée? What else do you need in a sword? C'est les vœux de Moon, je l'ai terminé, moi. Tu vois la liste de. Si vous allez dans mon. Dans l'information en bas, vous pouvez voir tous les jeux que j'ai terminés. Merci pour les crottes de caribou! T'es un fou. Merci encore, Dizzy. Il lui manquait, pas Zenobia, apathie à la mère du petit. Jamais Renardo n'aurait pensé sortir avec une bibliothécaire. Il s'était toujours imaginé avec une barmaid, mais alors, il n'aurait jamais pensé que la bibliothécaire, bibliothèque du bar aurait des bandes dessinées ou qui Patia serait incollable sur ce sujet. Il lui manquait. La seule chose qu'elle lui a demandé, c'est « Prends soin de mon petit garçon ». Il est mort. 10 minutes après, je pense. Il me faut plus de matériaux, pense à Renardo. Salut, Nike. T'avoir fait découvrir le jeu? Il ne passera pas! Renardo a amené Zenobia à la base de la rébellion où elle allait être interrogée. Alors pourquoi avait-il si peur? Je pense quoi de quoi, excuse-moi, Dizzy? Parfois chez lui, il fait de l'air avec son épée pendant des heures. Ah ouais, l'aventure avec son ami. Pas le temps de niaiser. Bon, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je?
Oh, un coffre. A chest that shiny deserve to be opened. Oh, deux. C'est bien, mon ami. Faites le roi caribou. Oh. J'arrive d'où, là? Oh, il y a une porte, là. Il aurait voulu qu'il y ait plus de poteaux sur lesquels utiliser son grappin. Et il devait vraiment construire d'autres poteaux. C'est un très bon jeu. Tu l'as pris sur, tu l'avais sur la Xbox Game Pass, c'est ça? Did portals go through another universe? If so, could the lost god use one of them to return from exile? Il porta à travers cette île un autre univers, et s'il était le cas, les dieux disparus pourraient-ils vraiment apparaître à nouveau pour sauver le caribou canadien? Comment la santé? Oh, vitesse d'attaque niveau 3, on va vérifier si c'est... Ah, je peux pas changer là, c'est vrai. Exactement ça, je voulais. Ils respirent leur souffle. C'est beau, dit-elle en regardant les ruines. C'était la bibliothèque des bards, dit-il, avant que les corbeaux de ton père ne la détruisent. Est-ce qu'on est obligé de parler de politique, demanda-t-elle. Ce n'est pas le souvenir que je voudrais garder de toi, dit-elle d'un air étrange et mélancolique. Elle était plus belle qu'elle n'avait jamais été, et plus courageuse aussi. Lapino prit la mouche et s'était rabiboché. Ne regarde pas en bas, se dit-il. Ne regarde pas en bas! Punissez, terrorisez, humilié. La masse enlevée, les points menés par quelques nobles nourrissant d'une trop grande ambition. Est-ce que, par envie, ils veulent posséder pas pour eux-mêmes le pouvoir dont je ne suis à la recherche? Ne sont-ils que des criminels qui veulent nous voler ce que nous possédons? Il existe qu'un seul châtiment possible pour qu'un tel crime, la mort, faite des leaders un exemple. Exécutez tous ceux qui osent suivre leur voie. Ou bien est-ce que la peur d'être directement touché par les sacrifices que je pratique, est-ce qu'une forme de survie montre-leur le véritable sens du mot peur? Frappez vite et frappez fort, faites-les souffrir, brûlez tout ce qu'ils chérissent. Ou bien est-ce que la fierté de penser que les sens de ces sacrifices pourraient échapper à leur compréhension à tout jamais, et veulent intégrer pouvoir et s'exprimer au cœur de mes décisions, une telle arrogance ne peut être permise. Menez ceux qui se rendent jusqu'à la mine de sel, laissez leurs poumons se remplir de la poussière corrosive, laissez-les trahir leur prochain pour quelques restes de nourriture, laissez-leur enfoir
Enfin, voir comment ils deviendraient les sauvages, mettez un terme à la rébellion sans aucune pitié, punissez les terrorisés, humiliés. Manifeste de guerre de l'empereur N.C. Grimm III. Smashing things was fun. Ah shit, j'ai pas vu. Personne ne pouvait battre Renardo aussi facilement. Souper qu'il y en a une, ce serait possible, mais je ne verrais pas comme pourquoi. You blinked. Ah, putain. Ouais, ben, pas en me remplissant, je crois, je suis pas certain. Ben voyons, je me suis... Je pense qu'il y a quelque chose de spécial par ici, par exemple. Je peux même pas aller par là, là. Ah, apparemment, en ouvrant une, ça forme une. Ok, je comprends. En tout cas. The long stairs. Les grands escaliers qui étaient donc près de la base de rébellion, rien ne brûlait pour l'instant pour... Tout allait bien. So far, so good. Ice walls only let you through if they knew you were cool. Ouch.
Quand vous voyez les épées de Jay. Si la porte-t-elle déjà été ouverte? Question. Oh, de la santé plus ça. Y'a rien qui donne de l'énergie. Alors qu'il avançait vers la base secrète de la rébellion, un étrange changement l'habitait à Renardo. Zenobia était sa prisonnière et pourtant, d'une certaine manière, il la considérait plus comme une vieille amie et voulait lui révéler tous ses secrets. Et soudain, les ruines s'illuminèrent. De milliers de feux d'artifice ont entendu un grondement tout rétruant et la poussière se leva dans les airs. La grotte était en train de s'effondrer. Mais grotte, tu te moques de moi, dit Renardo en fixant Zenobia. Je suis désolé, dit-elle, l'air presque embarrassé. Et tout devint noir. Et quand Renardo reprit conscience, il avait un terrible mal de tête. Zenobia avait placé son épée sur son cou et s'était libéré de ses menottes, tout comme la paix énorme. Ce qui est terrible, dit-elle, c'est que tu aimais vraiment manquer. Maintenant qu'on a détruit la rébellion, pourrais-tu envisager de devenir conseiller de la fille de l'empereur? Merci, Madoc. Je ne suis au service de personne. On est tous au service de quelque chose, même s'il ne s'agit que de son destin. Je préfère choisir mon propre destin, dit-il. Justement, le problème avec le destin, c'est qu'on ne choisit pas. Mais ce n'est pas grave, dit-elle. Écoute, si je te revois, je devrais te tuer. Il regarda son navire s'éloigner sur les flots et il avait la revoir. Il l'avait déjà décidé, même s'il devait affronter la flotte tout entière. La flotte impériale s'occupait de nettoyer les derniers vestiges des rebelles. Un court instant, ils songent à s'enfuir, mais les héros ne s'enfuient pas, même quand le monde entier leur fait face. Même quand leur cause est sans espoir et que leur effort sont futile et inutile et qu'une mort douloureuse leur est promise, ils décident d'arrêter de réfléchir un moment. Mais... Les gens avaient rigolé à l'annonce des programmes de déplacement d'établis du gouvernement, mais on pouvait en voir des avantages partout. Moi j'aurais pu tester des jeux pour Ubisoft, c'est juste qu'on peut pas les streamer. Ben ça, ça fait ben chier là. Oh, une porte. It was time. Le moment est venu d'explorer un peu. Ça dépend combien de temps qu'ils veulent je joue. Tu sais, s'ils veulent que je teste une coupe d'heure, je peux
une heure ou deux. T'sais, si t'as une semaine, ils ont besoin de chest standard, ben, ça peut se faire holding un peu. C'est normal, tu peux pas te. C'est des jeux pas complétés, ils peuvent pas. Oh, calé, c'est de la santé. Oh, calé, j'ai pas vu ça. Un jour, Renardo avait investi dans une bijouterie, mais celle-ci. De l'argent, car quelqu'un le cambrilait sans cesse. Coup de théâtre, c'était lui. Oh, j'ai trouvé de la santé, nice. Ok, faut que je revienne. Rien. Ouais, hein. Avait du mal avec son armure. Il était gorgé de sang de corbeau. Il était fatigué de la mort. Mais la mort n'en avait pas terminé avec lui. Les rebelles perdaient largement. Et largement. Un autre moment, Renardo imaginait que lui et Zenobia avaient quitté l'école des pièces ensemble et avaient pris un autre nom et qu'ils avaient disparu dans les nuages. Mais c'était un autre Zenobia et ce n'est pas lui. Pour lui, il restait qu'à continuer d'aller de l'avant et tuer l'empereur et mettre fin à tout ça. Renardo se demanda ce qui se passerait s'il aurait sauvé les plateformes de secours.
Il allait bientôt affronter l'empereur à nouveau cette fois. Il allait le tuer. Il allait planter la dernière fois, mais il avait bon. Un bon pressentiment cette fois-ci. Oh yeah, j'ai un bon feeling cette fois-ci. Oh yes! Je l'ai fini le jeu. Non mais ça a changé ça, c'était un bug puis là il se replace. Là. Ça avait juste pas de sens à un moment donné. Il finit par atteindre le vaisseau de l'empereur. Zenobia était là, pourquoi a-t-il fallu que tu reviennes? Il faut croire que je ne te fais pas suivre mon destin, dit-il en haussant les épaules. Tu connais même pas la signification de ce mot, dit-elle. Est-ce qu'il arrive d'imaginer que les choses auraient pu être différentes? Tout le temps, dit-elle. Elle est sortie de son épée. Pour finir, Renando se retrouva allongé dans son sang. Sous le pan, Zenobia était assis à ses côtés, fâché. Qu'est-ce qui... « Tu rends si furieuse ?» demanda-t-il. « Tu ne pourras pas comprendre. Pourquoi m'avoir caché que tu comptais quitter l'école ? J'avais à cœur que tu essaies d'en dissuader. Bien, j'imagine que je vais devoir te payer un coup au royaume des braves, lui dit-il. » Et il est parti. Il n'avait rien appris de nouveau cette fois-ci. Il avait fait deux fois la même chose, tout en attendant le résultat différent. Le chercheur en vérifié et vous aidera à trouver les chemins menant aux vérités que vous n'avez pas encore trouvées. Cherchez cette icône lorsque vous faites des choix dans le livre. Ce réglage peut être ajusté pendant le jeu via le menu options. Il y avait un moyen de gagner. Renardo ne pouvait le sentir, mais il avait devoir explorer les choix qu'il n'avait jamais fait auparavant, avant de pouvoir comprendre. Puis la page du livre revint au début, une fois encore il tomba. Les nuages flottaient au-dessus des îles. Les Boréas, à ce moment, étaient venus de choisir la rébellion. Avec des ennuis, des corbeaux cherchaient la base secrète de la rébellion et ils devaient trouver un moyen d'inverser la tendance. Des morceaux de Skyripper avaient refait surface. Renardo savait que l'utiliser pourrait s'avérer catastrophique. Mais il avait sûr de pouvoir comprendre comment utiliser la sécurité. En outre, un temple avait surgi dans le désert. La pierre d'Ébélis était cachée là. C'était un dangereux artefact. Elle pouvait corrompre son utilisateur et en faire un monstre sanguinaire. Mais elle pouvait peut-être trouver un moyen de l'utiliser et de prendre sa puissance sans abdiquer devant sa méchanceté. D'un autre côté, son vieil ami Lapino avait besoin d'être sauvé. Ce n'était pas Lapino qui avait changé la donne, mais Renardo pouvait-il vraiment laisser un vieil ami à la merci des corbeaux? J'ai déjà tout lu ça, c'est pour ça. Killian, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! La chance pro, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de t'en faire. Oh yeah! Was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Donc ça, c'est l'histoire que je viens juste de faire. Mais je vais prendre une autre décision ce fois-ci. Had everybody fled the Ravens?
Mais là, je vais prendre une autre décision rendue plus loin. Les corbeaux avaient kidnappé toute la ville. Renato had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Renato hoped they were just like that. Aucun intérêt. Renato had tried everything. Zenobia had loved him to death. The Sky Ripper destroyed everything. The Iblis Stone had corrupted everyone who held it. He never put much faith in Lupino. But Lupino was all he had left. Renato checked to make sure his sword was still working. Yep. Le sens élémentaire. Sometimes, Renato really hated inanimate objects. Now he could slice the wings off a fly in the air. Not that he would. It's sort of mean, really. Justement, ça je cherchais, je me demandais ce qu'étaient ces pêches-là. So that's what they meant by a firewall.
What unlocks a firewall? Allez, ouvre-toi le mur. J'ai jeté par là. Not everyone knew how to use magical gems. Of course, not everyone had magical gem gauntlets like he did. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Anyone put his slinky collection in a strongbox, thought Renato. Any magic slinkies? Oh, but there was something else. Renato hoped there was no one he knew in there. What's behind door number two? J'ai déjà lu ça. Actually,
Dirty and bloody, Renardo finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renardo recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? That would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And he felt sure she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. On a déjà vu ça. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. This was the nice part of town, but the ravens had been through here. They like to take shiny things home to their nests. Was a workbench when you needed one. Oh, never mind. If I go that way. Thank you.
What exactly was Lupino up to this time? You could see the wheels spinning inside his head. It made Bernardo dizzy, in fact. Yes. Non, t'es aveugle, esti. Anyone ever tell you you have a lovely eye? No. Oh, mais... Putain. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the farfare a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renardo hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renardo. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. Sensed the jewel's power. He had a feeling they were going to be great friends. Renardo felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Lupino's idiotic plan worked. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye. Without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter, Renardo was aware of her feelings. Maybe this was a bad idea, but was he letting his own feelings get the better of him? J'ai jamais pris ça, mais je vais aller là direct. Et après, faut que je prenne un autre. Ouais,
Cats can run faster, but foxes can run longer. If he ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. There was an inscription on the platform. Balalaika lessons, with an address. Coming through that door. Had it been closed before? Good thing those ravens never use the healing fruit. He was closing on her. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. What did they do to her? Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But, after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. Ooh, wouldn't his gauntlet look swell with that jewel in it? Putain. Hey, fais-tu exprès?
Renardo atteint l'avant-poste d'Imperio qu'il avait posté ne faisait pas loin. Peu de temps après, Zenobia arriva sur le chemin en boitillant. Quand elle s'aperçut qu'il ne trouvait déjà face à elle, as-tu déjà vu ça? Lupino nagged Renardo about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the rebel's secret base. Renardo didn't like to think about what the interrogators would do to her. T'en ouf qu'on va. Couldn't he just talk to her? As they pulled away from the Nexus, Renardo could see the fear in Zenobia's eyes. Je ne peux pas l'amener à ces créatures de la base, murmura-t-il à Lupino. Ah, tu es ramolli, tu te ramolles la tête. Nous l'avons capturé pour les informations qu'elle détient. Je vais l'amener dans la montagne, je lui raconterai toutes les choses horribles que l'empereur a fait. Fais-moi confiance, elle changera de ton. Tourne alors le gouvernail. Qu'est-ce que tu fabriques, Lupino? Je lui prenais le gouvernail des mains. Les deux amis luttaient pour avoir le contrôle du vaisseau qui décollait comme un. Oiseau fou. Tout à coup, Renardo se retrouve en train de chuter. C'était l'autre, je m'en fais. Je faisais ça, mais je prenais. Fait que je le faisais une autre étape avant. Quand il reprit les esprits, Zenobia se tenait debout devant lui. Oh! Pourquoi tu ne m'as pas amené à la base d'interroger, demanda-t-elle. Tu sais qu'il reste des personnes qui l'interrogent? Et c'est un piège, hein, pour que je me fasse encore avoir, eh bien, ça n'arrivera pas. Vas-y, retrouve tes corbeaux, je peux pas t'en empêcher. Étrangement, il ne fit pas comme Renardo partait retrouver les farfarelles, le suivit en restant hors de vue des corbeaux. Done a barrel roll, he thought, as he died. This was definitely better than pulling yourself up in a bucket.
Oh, il m'a attaqué dans... Au moment où Renardo s'arrêta pour renifler le vent, Zenobia rejoignit, toujours en colère. Tu pensais vraiment que tu allais me convaincre de trahir mon père? Absolument, c'était exactement mon plan. Alors pourquoi est-ce que tu ne me parles même pas? Parce que je ne t'ai jamais parlé de rien de toute ma vie. Il ne te fera pas assis devant la cour martiale pour avoir laissé partir. Il reconnut l'odeur de farfaré et la cordonnier de goudron et fut le Bierscobefield qu'il avait renversé l'an passé. C'est la bonne direction. Oh shit, il y avait une autre place que je viens de voir qui était mieux. It was a bit windy up here. C'est vraiment dû amener Zenobia à la base de rébellion après tout. Peut-être qu'elle était sérieuse après la triste discussion sur le sombre secret de l'empereur. Elle regrettait d'avoir douté d'elle. C'était certain, le farfaré était abîmé dans les rochers et aucune trace de Lapino.
Zenobia rattrape à toutes ces histoires de gamins à l'école des pièces, tu sais, c'est du passé, on est des adultes maintenant. On a des responsabilités envers les autres, nos destins nous entendent. De quoi que tu parles? Et tu es le mercenaire le plus arrogant, le plus idiot et le plus voleur et immoral et irresponsable. Enfuis-toi avec moi, dit Renardo, on réalisera qu'il y est sincère. Juste comme ça, demanda-t-elle. Je le ferai si tu le fais. J'ai qu'elle l'embrassa et ce fut le délicieux baiser qu'il n'avait jamais reçu. Ils se prirent par la main et embarquèrent sous le Farfaret. Renardo sentit le cœur léger comme le vent qui faisait sonner gréement tel. Mais Lapino, tu dois aller retrouver Lapino, dit-il en comprenant tout à coup qu'il est peut-être été capturé, fait prisonnier. Mais non! Comment le sais-tu? Il vit dans son regard un signe qu'il ne comprit pas. Il est tombé, n'est-ce pas, dans les abysses? Elle tourna les yeux et ne voulait pas répondre. Et soudain, le carreau transperça la quille de Farfaret. Les vaisseaux brisés dégringola des nuages. Renardo se releva du pont et il avait envie. Il est atterri sur la flotte impériale. Il faut qu'on aille sur mon vaisseau privé, dit-elle. Est-ce que tu me fais confiance? J'imagine que je n'ai pas le choix, dit-il. Tu passes en premier et tu ouvres la voie, dit-elle. Je ne peux pas tuer mes propres soldats. Il lui dit qu'il n'avait pas confiance en elle, mais qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais il avait un chaud froid au fond, il écoutait son cœur, c'est bien. Un héros, après tout, il avait écouté son cœur. Un nouveau chemin qui piquait la curiosité de Renardo. S'arrêtèrent pour reprendre leur souffle, c'était curieux de se retrouver si proche d'elle. À quoi penses-tu? Demanda-t-il. Je fais tout ce que je peux pour ne pas y penser. Moi aussi, dit-il. Au loin, il pouvait distinguer la faible éclat du vaisseau personnel de Zenobia et il avait l'air rapide. Il avait laissé tout ça derrière eux. Non, enfin, bouge. Ce plafond était génial, Renardo en voulait une pour sa maison. Ça fait longtemps que j'y ai joué, mais là j'essaie de le finir.
Ah, allez, j'ai pas vu. Alors qu'il atteignait son vaisseau, Renardo ressentit soudain une vive douleur à l'estomac. Il fut étonné d'en avoir sorti le carreau d'une arbalète. J'étais sur le point de mener l'Empire à notre base secrète, dit Lapino. Mais non, il a fallu que tu viennes tout gâcher, tout parce que tu l'aimes encore. Renardo fixa Zenobia, le baiser, c'était... C'est sincère, dit-elle, visiblement envahie par une infinie tristesse. Elle fit un geste prononçant un mot mystérieux et Lapino s'envola dans les abysses en hurlant. Je le dirai à ton père. Puis elle s'agenouilla et tendre prit la tête de Renardo entre ses pattes. Il devrait remonter jusqu'à certains choix qu'il avait dû faire auparavant, peut-être de nouvelles voies, ces ailes ouvertes comme ces portes qu'il ouvrait partout sur la carte. Il menait de nouveaux trésors aux alentours de ses ennemis. Mais il avait appris une autre vérité. Lapino était un traître. Renardo s'était douté de quelque chose, ne tournait pas rond avec le lapin toqué. Mais maintenant il savait qu'il avait de la malveillance derrière cette maladresse. Lapino est un traître. La page du livre se vire tout d'un coup à revenir au début. Les nuages flottaient au-dessus de l'îlot de Boreas. Le moment était venu de choisir la rébellion. Il avait des ennuis, des corbeaux cherchaient la base secrète de la rébellion. Il devait trouver un moyen d'inverser la tendance. Des morceaux de Skyper avaient refait surface. Renardo savait que l'utiliser pourrait s'avérer catastrophique, mais il était sûr de pouvoir comprendre comment utiliser de toute sécurité. Entre-temps, il s'avait surgi dans le désert. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course. Renardo se souvient fortement Lapino d'avoir trahi la rébellion. Son instinct lui disait qu'il devait utiliser ça à son avantage. Renardo finit par se rendre compte que Lapino était un traître envers la cause. Mais t'es-tu vraiment sûr? Vraiment sûr? Renardo pourrait trouver un moyen de s'en servir. Que faire, sachant que la trahison de Lapino? Renardo serait stupide de refaire confiance à Lapino. Il devrait l'affronter, ou mieux encore, trouver un moyen d'utiliser le traître contre son nouveau maître. L'empereur, peut-être. Lapino pourrait peut-il changer la donne après tout? Renardo n'arrivait pas à croire que ses yeux quand il se rendit compte que Lapino travaillait pour l'Empire. Il n'avait jamais vraiment vu Lapino envoyer des messages codés au palais. Mais il en était sûr. Trop souvent, le lapin avait été l'unique survivant lors des missions désastreuses, ou avait manqué accidentellement d'embarquer à bord d'un bateau qui avait fini en flammes dans les abysses. Renardo pouvait empêcher Lapino de retrouver la flotte avec toutes les informations qu'il avait préalablement collectées, ça valait peut-être le coup. Comment enfin est-il arrivé là? Il avait vécu tant d'aventures ensemble. Lapino avait fait sortir les Renardo en prison au moins 4 fois. Et Renardo avait sauvé Lapino d'au moins 2 lynchages. Dans notre aventure pour aujourd'hui se termine ici.